Ouais, bonjour, bonjour la famille. On va changer aujourd'hui une vie web. C'est pas très compliqué, mais au moins ça devrait le faire. Je prends un petit peu d'avance. Vous voyez, vous devez d'abord enlever le caoutchouc qui protège le carnage. Là, je l'ai déjà enlevé. Après, ici, vous avez. Regardez. Vous avez ici un genre de. Comme une petite goupille. Et comme des ergots. Vous enlevez d'abord un ergot. Et l'autre, voilà. Normalement, on va ceci. On va bien les enlever. Parce que c'est un truc pour péter un câble, vous voyez. C'est un vrai pète-câble. En dessous, normalement ça doit venir, normalement. Voilà, on tire encore un petit peu, voilà. Là, on verra un petit peu mieux. Faut être patient, hein, parce que... Allez, on va enlever. Voyez la famille, là vous avez fait le plus en vrai faut jouer un petit peu avec, attend que ça vienne, voilà, vous voyez, ça vient. Tout vient, ouais, ça vient avec le câblage. Vous avez ici le protège. Non, qu'est-ce que vous faites? Oui, faut jouer un petit peu avec. Si vous avez un tournevis, c'est mieux, mais bon, en fait, comme vous pouvez, vous prenez des clés. Vous allez comprendre. Allez, moi je le retourne. Là, vous voyez, c'est. Si vous l'avez jamais enlevé, c'est un peu dur à enlever au début, mais faut un petit peu, ouais, vous faites levier un petit peu partout, un petit peu, vous faites levier pour enlever tout, un petit peu ici. Faut aller doucement, hein, parce que sinon si vous cassez ça, ça me coûte un petit peu cher. Tout doucement vous enlevez, voilà, un petit peu vous faites levier, un petit peu vous faites levier. Vous voyez, il s'enlève tout doucement, hein. Faut pas forcer, parce que vous cassez ça, ça coûte cher la pièce. Là, vous forcez un petit peu, pas faux. Vous voyez, ça enlève. Vous faites encore un petit peu levier. Voilà, vous voyez, ça commence à s'enlever. En vrai, c'est la première fois que j'enlève les ampoules, que je les change. Voilà. Okay. Tout doucement, tout doucement. Tout doucement, vous voyez, ça s'enlève. Voilà, oui. Vous enlevez l'ampoule de son protège. Ça aussi, ça j'en mets enlevé, c'est un petit peu. Oh non, ça a été ça. Mettez ça de côté. On avait l'ampoule, on mettait de côté. La qualité, hein. Pas jouer avec les ampoules. Toujours prendre de bonnes marques. Pas prendre des marques chinoises ou des marques bas de gamme, parce que après ça dure rien, toujours prendre la qualité. Voilà. Après, vous voyez, ici vous avez trois, pas comment on dit, vous avez comme l'ancienne Mercedes, je fais pas de la pub, mais bon, vous avez, et vous avez la même forme que j'ai pas ici, comme quand vous jouez au jeu à tête fessée. Vous avez ici, il y a même la forme pour mettre la prise. Et vous le mettez ici. Tiens, il ne faut pas forcer, hein, parce que. Voilà, elle est rentrée. Elle est rentrée dedans déjà. Donc maintenant, il faut mettre un petit ferraille. Et elle tourne.
combien on avait avant les anciennes bouteilles, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, vous avez vu, regardez. Elle est bien, ouais, faut bien mettre bien la mettre encochée dans les trucs qui sont prévus. Et vous avez un genre de, vous voyez la goupille, elle s'encoche en dessous, vous le mettez bien. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le caoutchouc, vous remettez la protection. Faut bien le mettre bien. Voilà. Bien, regardez que ça sort bien mis. Voilà. Comme ça de l'eau. Pour ça un petit peu. Voilà. Pour faire un truc qui est dedans. Pour moi, il est dedans. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Pour regarder si les deux phares sont bien, on va faire le test. C'est bien. Voilà, on est comment on charge les ampoules en 5 minutes. Montre en main et vous évitez d'aller au garage et puis 35 balles pour rien. Merci, à la prochaine.